Yo les amis, c'est KyorGamer, j'espère que vous avez bien écouté, moi ça va très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Subnautica. Et oui, nous sommes enfin de retour sur Subnautica. Donc bah j'espère que ça vous fait plaisir quoi. Donc aujourd'hui, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Et bah tout simplement aujourd'hui, on va aller chercher des ressources et tout pour faire, pour améliorer en gros le Seamouse. Donc voilà, donc là on aura besoin de pas mal de petites choses quoi pour améliorer le Seamouse. Et bah là aussi encore. Donc bien sûr, si cette petite vidéo vous plaît, comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à faire péter cette barre de like, à vous abonner et activer la cloche de notification. Ça me ferait extrêmement plaisir, ça me soutiendrait énormément. Pour ce, on est directement parti. Donc là on peut mettre combien d'améliorations? On peut en mettre 4, d'accord. Ok, donc là, ouais, déjà on peut en mettre 4. Donc ça va, encore 4. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Et bah le profondeur en vrai, 2 de verre et un lingot de titane. Et bah on va aller chercher ça tout de suite. On va pouvoir avoir le MK1, donc en gros l'amélioration quoi, Seamouse, pour aller plus en profondeur que bah qu'on peut là. On va directement y aller. Hop. Bonjour, bonjour. Alors ici, juste ici. Alors là, on va mettre le module de profondeur pour Seamouse. Merci. Chargeur solaire pour Seamouse. Ok, va falloir qu'on trouve comment faire du verre émaillé. Là déjà, on va mettre le module d'amélioration. 300 mètres. Et là, c'est combien de base? 200 mètres. Ah ouais, ça rajoute que 100 mètres. Ouais, mais c'est déjà bien. On va pas se plaindre. On va remettre les gants, parce que voilà. Ça c'est quoi? Quoi? Attends, on va regarder ce qu'il y a d'autre comme amélioration qui pourrait être pas mal. Renfort de coque, module de rendement moteur. Recycle la chaleur sous-produite pour minimiser les défaillances énergétiques. Ok, ouais, mais c'est bon. Donc on va prendre le renfort de coque. Ok, et le module de stockage. Donc le module de stockage directement, et bah ça va être easy à faire parce que bah. Voilà, oh, un diamant et 3 de titane. Alors là, on a quoi dans notre inventaire? 3 diamants, du coup je crois qu'il en faut 4. Et on va... Non bah non, c'est bon, un diamant je crois et 3 de titane. Et bah je vais directement aller chercher le petit titane. Ah, le petit titane, les petits titanes, je vous dis à tout de suite. Bon voilà, c'est bon, j'ai récupéré assez de titane je pense. Hein. Donc là tout simplement, et bah on va faire les petits... Bah on va les remplacer directement parce que j'ai pris du débris métallique quoi. Bon, 8 je pense c'est suffisant, 8 pour l'instant. Pire s'il faut, j'irai en chercher vite fait. Alors, alors, le petit Seamouse, viens voir. Module de stockage. Qu'on fasse un renfort de la coque. Renfort de la coque, il nous faut un diamant en plus. Et ben on va aller directement le chercher. On va d'abord le mettre là. Et regardez, si on se balade avec le petit Seamouse, on pourra mettre la petite bonbonne. Je vois, c'est... Non. Je veux pas. Voilà, merci. Que je veux pas, genre, pour l'instant, non. C'est où? Accès amélioration. Entrer dans le Seamouse. Non, je suis tombé. Attends, parce que il y a un endroit pour stockage là, mais je sais pas où c'est. Attends, mais je l'ai perdu l'endroit. Et où qu'il y ait le stockage? Accès aux améliorations. Attends, j'ai vu un truc qui a bougé. Genre, attends. Fais-moi voir si je le remets. Non, mais c'est rien passé. Bon, écoutons, on verra quand on sera dans l'eau. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Alors, ici, donc on a le renfort de coque. Et chargeur solaire pour Seamouse, système de défense. Parce que là, sachant que si je prends, j'ai déjà mis celui-là et celui-là. Si je prends le système de défense et le chargeur solaire, on n'aura pas le renfort de la coque. Non, ouais, c'est pas grave. Par contre, il faut de la polyaniline. Ok, comment déjà on fait ça là? On va aller voir.
Je crois la polyaniline, le truc c'est hyper chiant à faire là. Non, c'est pas ça, c'est ça là. Voilà, ça c'est hyper chiant. Un d'or et de l'acide. Ah oui, l'acide c'est ça. Champi abyssal. D'accord. Je veux pas savoir combien ça. De câblage avancé. Ok, donc là on a clip de câblage avancé et on a. Quoi d'autre? Le verre émaillé, ouais, le verre émaillé. Verre émaillé, dendrodère et du verre. Ok, bah si. Donc on va prendre le dendrodère et du verre. Voilà, dendrodère et du verre. Et ici, on va aller chercher après le champi abyssal. Dendrodère, du verre. Ouais, donc dendrodère, du verre. Deux minerais d'argent. Deux d'or. Deux minerais de cuivre. Wesh, en fait, il faut plein de trucs, quoi. Alors, on va direct aller chercher le minerai. Bah, voir si j'ai du minerai de cuivre, genre dans la. Dans la capsule de secours. Alors, s'il te plaît, dis que j'ai du cuivre. Déjà, j'ai de l'or. J'ai deux de ça. Ça, c'est nickel. J'ai une dendrodeur, donc ça, c'est encore mieux. Ça, on va y mettre pour l'instant. Les échantillons de corail plat, on les a. Le pot de sel, pour l'instant, ça nous sert à rien. Alors, donc là, tout simplement, on a dit. Par le cul de câblage. Enfin, circuit intégré, il nous faut deux de cuivre. Est-ce qu'on a les deux de cuivre? Bien sûr que non. Oh là là, je vous jure, hein, Subnautica. Faut trop de trucs. Et non, mais arrête. Lâche-moi. Oh, je veux ouvrir le stockage. Et ben voilà, on va aller chercher du cuivre, ça c'est bien. Du cuivre, où est-ce qu'on pourra en trouver? Bah écoutez, on va directement aller là-bas. Attends, il va faire jour, donc autant y aller, hein. Est-ce qu'on a assez de place? Donc là, on va prendre 2 de cuivre. Ok, donc c'est nickel. On a assez. Du quartz aussi. 2 de quartz. Là, on a le cuivre. Là, on a du quartz. On va le prendre. Et je te vois. Hein. J'ai vu du quartz là. Il est où? Il est là. Le quartz. Allez, on perd pas plus de temps. On va rentrer vite parce que j'ai pas envie de rester 10 ans ici. Hein. Voilà, on va directement rentrer. Hop là. On se met ici. On rentre, on va direct. Ah non, mais je crois que j'ai oublié un diamant. Oh. Je crois que j'ai oublié un de diamant, on va aller le chercher. Alors, déjà ici, on a dit un fil de cuivre. Ça va me permettre de faire le circuit intégré qui va me permettre de faire un kit de câblage avancé. Et bah non, parce qu'il me manque un d'or. D'accord, c'est gentil. Du verre. S'il te plaît. Et le verre émaillé. Voilà, donc déjà voilà. Donc là maintenant il nous faut du coup non on a dit il nous faut deux d'or, bah un d'or encore et quoi d'autre on avait dit, attendez, d'or, un d'or et un diamant, voilà, j'ai bon. Alors on va chercher le petit diamant qui doit être bah dans la maison, hein, tout simplement. Voilà. Donne-moi ce petit diamant, s'il te plaît. Hey, j'en ai marre, il n'y a pas de diamant. Bah déjà ici il y a de l'or, donc c'est déjà bien. Donc on va prendre l'or. Bon bah on va devoir aller chercher du diamant, hein, ça c'est fun. J'aime pas aller là-bas dans cette zone. Bah on va directement mettre le plomb parce que ça ne servira à rien. Le lithium il va être utile. Donne-moi le petit dépôt de sel parce que je vais me faire de la nourriture séchée. Boomerang. Allez, go. On va aller chercher directement le petit diamant. Donc on va aller au Seamouse. Alors, redonne-moi un petit kit. Oh. Un kit de câblage avancé, s'il te plaît. Ça serait extrêmement gentil de ta part. Voilà. Attends, je l'ai récupéré. Ouais, je crois. Hein. Bon, c'est beau. Pire, on va aller voir. Tac, on va aller directement retourner là, du coup. C'est grave chiant, ça. Chargeur solaire du Seamouse. Et on va le prendre directement. Voilà, comme ceci. On va aller le mettre. Là, quand il fera jour, on n'aura pas besoin de recharger. Là, il nous faut quoi d'autre? Il nous faut les champignons abyssales, là, de je sais pas quoi. Pas très envie d'y aller. Ça me rassure... Pardon, ça me rassure pas trop de venir ici. Bon, bonjour, je cherche... Quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? Oh non non non, arrête. C'est quoi ce bordel? Vas-y. Qu'es-tu? Une personne?
C'était quoi ça? Par contre, c'est vraiment quoi ça? Ça me fait trop peur. Qui es-tu? En plus, elle a parlé. On est d'accord. Elle m'a demandé qu'est-ce que j'étais. Et bah, si tu cherches que je suis, moi, je suis... C'est un humain. Oui, mais c'est bon, m'embête pas avec ton truc là, oxygène là. Fragment de la chambre d'immersion. Ouais, je crois que je l'ai déjà. Hein. Ouais, je l'ai déjà. On va aller se balader comme ceci à pied. C'est bon. Bah, à pied. Hein. Ouais. De quoi ça? T'es gentil. Non, j'y vais pas. C'est quoi ça? 10 et du. Non, c'est un 9. C'est du dépôt de sel. Toi, tu viens, tu vas me donner. Oh! Tu vas faire à manger! Ça! Calcaire. Non, je retourne dans le. Dans le Sim House et on va vite rentrer parce qu'il va faire nuit. Déjà. Ça y est, chaque fois que je vais me balader, il fait. Pardon! À chaque fois que je vais me balader, il fait nuit déjà. Par contre, j'avais trouvé où le diamant déjà, je me rappelle plus, ça fait un bail que j'ai pas trouvé le diamant. J'ai pas nuit. Carrément que c'est fini, hein. Je m'en fous, je retourne à la maison. On va aller ranger le glide. Simaus. Mais purée, je sais même plus où c'est. Voilà. Donc là, on y est retourné. Qu'est-ce qu'on a pu prendre? Eh ben, on a rien pris du tout en fait, hein. Je viens d'y penser. J'ai vraiment été pour rien en fait, limite. Réfléchis, killer. Un cerveau, c'est fait pour l'utiliser. Où est-ce que j'avais trouvé le diamant? Je l'ai peut-être mis. Non, pas dans le journal. Ou quoi? Ah oui, qui es-tu? Ouais, dans le journal vocal. Non. Dôme en verre pour grande salle, chambre d'immersion. Grande salle. Donc là, déjà, on a ça. Donc c'est déjà pas mal. C'est quoi ça? Transmetteur de puissance. D'alimentation, d'accord. Ici, on a quoi? Porte étanche, fournit un support structurel et empêche les inondations, d'accord. Console d'amélioration de véhicule. Pièce. Porte pour séparateur de grandes pièces, bioréacteur, et on n'a pas encore. Chargeur de piles. Peut charger plusieurs piles simultanément. Kit de câblage et fil de cuivre. Oh, station de modification. On regardera ça pour le prochain épisode, la station de modification. C'est pas une gravière. Kit de câblage, un. Là, on va s'en occuper direct, on va faire ça. Donc là du coup le kit de câblage, qu'est-ce qu'il nous faut? Le kit de câblage, 2 minerais d'argent et 2 de cuivre. Donc 2 minerais d'argent et 2 cuivre. Ah, 2 minerais d'argent. Même pas. Ok, moi je suis aimé hein, par le jeu. Oh let's go, il y a 2 minerais d'argent, let's go, ça c'est bien. Ouais, on va les prendre en haut. Et le cuivre, bah on était à un rat de cuivre. Du coup bah je vais devoir aller en haut en chercher hein. J'en ai marre. Vous jure. De base, on devait faire des crafts. Bah, des améliorations pour le Simhawk. Là, on se retrouve avec un truc qui m'a parlé. Là, je sais même pas ce que c'est. Il m'a demandé qu'est-ce que j'étais. C'est vraiment très louche tout ça. Non, arrêtez, c'est bon là. S'il vous plaît, du cuivre, du cuivre. Wesh, il m'a suivi jusqu'à chez moi lui. Hey, t'es un malade toi. Qu'est-ce que tu viens jusqu'à chez moi frère? Il m'a fait trop peur. Je viens prendre de l'air au niveau de chez moi et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez moi lui. Non mais c'est un malade. Et bah punaise, il faut aller bien loin pour faut bien aller loin pour trouver encore du cuivre ici. C'est pas possible. On va rentrer à la maison directement. On va faire un petit fil de cuivre pour recharger les piles. Alors, le petit fil de cuivre, voilà. Tac, comme ceci. Maintenant, on va pouvoir le faire et on va le mettre ici. Voilà. Donc maintenant, alors là, on a une pile vide, on va essayer de la mettre. Le chargeur de pile. Oh, let's go, c'est ces piles qui se rechargent. Alors on va chercher les autres hein, je pense.
Déjà, on peut en mettre 4, c'est pas mal, hein, 4, on va pas se mentir. Voilà, et voilà. Hop, tac, on va rentrer directement et on va aller les mettre. Tac, comme ceci, chargeur de pile, tac, 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 et voilà. Et bah, aujourd'hui, je pense qu'on aura fait pas mal de petites choses. On aura fait des améliorations pour le Seamouse. Donc, pas mal de, genre... l'outil pour aller plus profond. Après, on a fait quoi d'autre? On a fait aussi pour mettre un module de stockage. Et on a fait aussi le chargeur soleil. Solaire. Donc, je pense c'est pas mal comme petit épisode. Après, on a fait le petit chargeur. Puis voilà. Puis la prochaine fois, je vous le promets, la prochaine fois, on ira tout simplement chercher de quoi faire. Regardez, je vais vous montrer ce qu'on va faire. De quoi faire ça. Voilà, de quoi faire ça tout simplement, parce que voilà, j'ai très envie de faire ça. Le problème, c'est voilà quoi. Donc, dans tous les cas, les amis, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, si cette petite vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire péter cette barre de like, à vous abonner et activer la cloche de notification. Ça me ferait extrêmement plaisir, ça me soutiendrait énormément. Sur ce, les amis, c'était Killer Gamer et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.